Quand je voyais en fait les bénévoles hyper impliqués dans les séjours avec nous, je me suis dit que je me devais en fait de faire ça et de rendre les enfants aussi heureux que nous, on nous a rendus heureux. Je m'appelle Manon, j'ai 19 ans et je suis étudiante infirmière en fin de première année. Je viens à l'Envol depuis 2016, c'est là que le premier séjour pour les frères et sœurs d'enfants malades a été créé et on est en 2021 donc ça fait 5 ans que je viens. J'ai intégré l'Envol en tant que bénéficiaire parce que mon frère a été gravement malade. Donc en fait avant l'Envol faisait des séjours pour enfants malades et ils ont contacté mes parents parce qu'ils ont mis en place un nouveau séjour en 2016 pour les frères et sœurs d'enfants malades, donc c'était une toute nouvelle expérience. C'est déjà beaucoup de confiance en soi, aussi beaucoup d'indépendance parce que on fait les choses ensemble, en cohésion avec les autres enfants, mais aussi individuellement on essaye de surpasser pendant pas mal d'activités et c'est vraiment top. J'ai voulu être bénévole à l'Envol parce que auparavant j'étais bénéficiaire et c'était important pour moi de passer aussi de l'autre côté. Je me voyais pas arrêter l'Envol juste en tant que bénéficiaire et ne plus jamais faire partie de cette association entre guillemets. Du coup j'ai préféré être en tant que bénévole et pouvoir aussi redonner le sourire à ses enfants. Et quand je voyais en fait les bénévoles hyper impliqués dans les séjours avec nous, je me suis dit que je me devais en fait de faire ça et de rendre les enfants aussi heureux que nous, on nous a rendus heureux.